c'est de rencontrer les partenaires principaux de la régie de France Télé Pub, de transmettre les différents éléments de notre offre, et ce sur tous les supports, à la fois la télévision, le digital et les opérations spéciales. En essayant de construire une relation qui va permettre finalement de déboucher sur une relation de confiance et du coup à lui proposer les solutions publicitaires les plus adaptées. J'ai réalisé une école de commerce avec pas mal de stages et puis j'ai intégré France Télévisions en publicité. C'est complet. Le cadre de travail est hyper agréable, des collègues extrêmement sympathiques, une offre publicitaire de contenu extrêmement attractive. Il y avait deux choses que je voulais faire. La première, c'était devenir footballeur. Et la seconde, si j'étais pas assez fort en tant que footballeur, c'était devenir journaliste sportif, puisque mes modèles, on va dire, étaient Thierry Roland et Thierry Gilardi. Pas mal d'équipes, puisque j'ai un poste assez transverse, notamment sur le sport. Les équipes marketing, les équipes commerciales, les équipes après-vente, donc que ce soit les opérations spéciales ou la production. La bonne humeur, la disponibilité sont des points hyper importants. Le relationnel, évidemment. Et la troisième, c'est la créativité. Je bosse sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. On est en phase de commercialisation auprès des partenaires officiels du CIO. C'est l'équipe de France de football. Une finale mémorable. Il s'avère que c'était le week-end de mes 30 ans. Donc c'est un week-end dont je me souviendrai toute ma vie. Rejoindre France Télévisions Publicité, c'est évidemment un très bon choix. Parce qu'on a des équipes qui sont exceptionnelles, parce que je suis là et que je suis sympa. Et parce que France Télévisions Publicité, c'est aussi la régie publicitaire du premier groupe audiovisuel français. D'être passionné, de croquer à fond sa première expérience, ne pas avoir de regrets, c'est mon conseil. 10 questions, 10 questions. La la li la li la lo.